my pleasure to introduce Denise Chiavone, who is an artist from New Caledonia. She's Kanak. Kanak, I mean the indigenous people of New Caledonia. She was born in east coast of the main island, and she's been working, involved in art since the age of 13. She's now working part-time for our agency, the Agency for the Development of Kanak Culture, to develop the contemporary art in the Kanak society. And she is also keeping on working on her personal work for the rest of the time. I will give now the word to Denise, and I'll try to translate what she will say to you. Bonjour, merci d'être venu pour mon installation. La présentation sur l'installation des Tao, symbole des femmes Kanak, présentation des hommes sur la silhouette de la terre. I'm sorry. My name is Denis. Thank you for coming to see my installation. This is two rows of plants. The first one on this side is a tau row, which is symbol for female, and on the other side is the row for yams, which in Kanak society means man. Ma présentation sur l'homme et la femme, c'est le symbole de la Mélanésie Nouvelle-Calédonie. Cette présentation est très moderne. Elle a une histoire traditionnelle, puisque on la présente. Elle a une histoire traditionnelle par rapport à ce que je vis, puisque je suis une Kanak urbanisée. So this is a modern interpretation of the old duality between men and women in our traditional society, and she's now involved in a new experience, in a new way of life, being part of the urban life in the mer. D'habitude, je suis une artiste peinte. Ici, je fais une installation. C'est la première fois que je fais à Brisbane une installation pour présenter les symboles. Je ne présente pas moi, mais un peu la Nouvelle-Calédonie, les symboles Mélanésie. I used to make drawings and paintings. This is my first time of using installation, and I intend to present the old symbols of our old culture. La présentation de mon installation, c'est quand tu viens de la galerie, c'est un accueil comme une coutume. Les hommes font la coutume à l'accueil des gens, et les femmes sont toujours derrière pour écouter, puisqu'elles ont une valeur au niveau de la coutume. So the meaning of this is that when you come from the gallery, the men are on the front line because they have to talk and receive the people, and the women are on the back line because they have to back up the men. But they have a very important part to play in our culture. Les hommes qui sont devant sont les gens de chez moi. La direction des bois, parce que je suis une femme de la montagne. Les tarots sont des tarots d'eau, c'est les femmes de la mer. Les tarots de montagne sont les femmes de la montagne. En fait, les femmes de l'eau sont parties rencontrer les femmes de la montagne. Il y a trois femmes qui sont là-bas. Il faut essayer de reconnaître les tarots. Ils sont différents. Il y a trois tarots d'eau. So there's two different kind of tarots. These kind of tarots are water tarot, and so this is symbol for the people living in inland, and the other one are mountain tarot. This is symbol for people of
of the sea, and this is a symbol for the people of inland because they are mountain towers, and the men are just in front of them, and this wood made for the yams to grow on it, and the direction indicate that it is a mountain technique for yams. J'ai essayé de présenter un peu la femme, l'homme, pour montrer une silhouette symbolique du tarot et de l'homme. Les femmes de la mer, de la montagne, puisque ma mère est de la mer et mon père est de la montagne. So there is again there's two kind of tarot. There's three mountain tarot which are over there. This represent Denise's own family because her mother is from the sea and meets the people in the mountains to marry his father, her father who is from the inland. Le sang du bébé, c'est il est posé du côté de l'homme. C'est pour présenter un peu le la recherche de la naissance. En fait, l'homme est plutôt une réserve d'un humain, et la femme, elle fait vivre la naissance de l'histoire. C'est pour ça que le bébé est plutôt qui fait revivre, puisque cette installation est plutôt une histoire, puisqu'elle ne va pas vivre. C'est comme dans les ancêtres, elle va être une histoire et elle va disparaître, mais la parole reste. Et chez la vie Kanak, on utilise beaucoup la parole que quelque chose de physique. So the voice of the baby is coming from the man side, because the baby is virtual in the human side, and then it will be it will born from the women's side, so it's a kind of opposition between the two sides. This means also that this is just ephemeral. You just hear the voice, because voice and what you say, words, are very important in Kanak society. This is what will remains after all these things will disappear. L'inyam est très important dans l'homme, sur la plante, c'est un symbole de la coutume. J'ai pas voulu amener l'inyam parce que je touche pas, chez nous on touche pas à l'inyam. Je présente seulement une silhouette, et puis comme je suis une femme, la plante, j'essaie de montrer que la femme a une valeur, elle est importante, elle a une force. On a besoin d'une femme dans un foyer, elle a toujours une présence importante. So this is to say that women are very important in a society. On the side of the man, she didn't plant any yams because this is forbidden for women to touch. This is man work, so she has just made some figure which looks like the man's side, but it's not. And then she developed this part of it because this is her side. Le sang du bébé, elle est une histoire aussi, puisque j'ai essayé de présenter, parce que j'adore déjà les bébés. Je suis formatrice aussi, je fais des formations pour l'éducation avec la peinture. Le sang du bébé, en fait, c'est un sang sentimental de l'amour de l'homme et la femme, qui essaie de montrer le symbole Kanak déjà. L'amour du symbole que j'essaie de représenter ici à Brisbane, puisque dans cette exposition, c'est la première fois aussi, j'essaie de présenter aussi la Nouvelle-Calédonie. But the voice of the baby is a representation of the love between men and women, and this is one of the strong statements she wants to make here and to develop for this special event. Les bambous,
C'est bon. Le bambou, j'essaie de présenter un peu. En Nouvelle-Calédonie, on ne fait plus cette. En fait, je raconte une histoire disparue. Le bambou, c'est où l'eau coule dans les bambous. Il y a des petits trous normalement. L'eau coule directement du côté des tarots, en face des tarots. La montagne, les femmes de la montagne ne vivent pas avec l'eau. C'est-à-dire que j'essaie de présenter que la différence avec la silhouette de où sont les femmes de l'eau, où sont les femmes de la montagne. So you will see here the bamboos, they are for the water, for the tarot of this water tarot. And this is this top over there, because afterwards it's mountain tarot, which has got their water from a different way. J'espère que j'ai essayé d'expliquer un peu mon installation. Et si vous avez des questions à poser. I finished my explanation, and if you have any question, I would be glad to answer them. Thank you.